No pentakill this game, but you have picked up Clutch Gaming's fifth win in a row. What's happening behind the scenes that's allowing you to perform so well? I think it's just the process. Like, we're learning so much so quickly, and I feel like our coaching staff is doing such a good job, and also the players are working really hard. And yeah, it just feels great, you know, to win and also see a lot of progress. Tell me what happened in that game-winning dragon fight, because it seemed like it was chaotic at a point, and then you guys came out. Yeah, it was kind of a stall when you are like five against five against the dragon, and then I think their account kind of messed up, and then we killed one guy. And if you kill one guy so late in the game, then you cannot lose the fight, and we had Sion ulti as well, and then they got the call out of position. So yeah, I think they messed up, but we obviously played well. Well, looking at your opponents for today, CLG, how did their performance today compare to when you played them the first time? I mean, I think they had a pretty good early game. Obviously, they have a really strong bot lane, so they could take our towers. But then, like, I feel like I don't really like the Vel'Koz pick at all. Like, obviously, they played well around it, but I feel like we played pretty poorly. Like, we gave them the comeback, kind of, or I did, because I played pretty bad. So, yeah, I just don't really like their draft, and I think we had better picks. So, but I think they have a good plan, you know. They can definitely win against teams playing like this. Now, this week, the 8.4 patch has come out. There's a lot of changes to mid lane. What are your thoughts on the patch so far? Yeah, it's kind of weird to see a lot of mid lane changes. I haven't really got into it too much. Like, the patch already comes out like 2 days before we play LCS, so I try to not play. I play solo queue, obviously, but I try to play the champions that don't require with like the new item builds. So yeah, it's kind of weird. I have to look into it, and it's going to be exciting for sure. And the guy who tier crafts the most is going to stand out ahead, so it's going to be fun. Are there any surprise champions that you think are going to pop up in the mid lane, or ones that you're hoping for? Well, I think Viktor is going to be good again, so I'm really excited to pick up Viktor again. We saw Caps today in ULCS. He was carrying so hard. So, yeah. Well, congratulations again on your win. And for more on this game, let's hear from the analyst desk. Et de retour, messieurs, dames, après cette interview de Febiven en long et en large sur les prestations de son équipe, sur la méta, sur Viktor qui revient. On attaque sur 8.4, ouais. Sur 8.4, oui. Tout à fait. Alors, qui est déjà revenu un petit peu, notamment du côté d'Optic, qui est sorti la semaine dernière. Si vous n'avez pas vu cette game, allez la voir. Elle vaut largement le coup d'œil. On attaque la game 3. Echo ouais. Fox contre TSM. Bon, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'était une très bonne introduction de l'eau. C'est ça qui est fou. C'était éventuellement une affiche de fou, mais en fait, non. Voilà ça. En fait, mais quel game ! En fait, non, parce que TSM a quand même un peu de mal à s'exprimer ces derniers temps. Ouais, ils ont des games qui ne sont pas forcément très convaincantes. Ils ont perdu évidemment clairement de leur superbe aussi. Ils ont du mal finalement à arriver à trouver, j'ai l'impression, le bon show de caller en tout cas. Et le bon show de call qui permet justement de clore les games quand vous avez l'habitude de le faire à un moment donné. Donc c'est vrai que c'est embêtant pour TSM, sachant qu'ils vont jouer contre EcoFox. EcoFox qui est peut-être qui est la meilleure équipe en fait des LCSNA. Puisque voilà, petite déception du côté des Cloud9 face au 100, ce qui est quand même très étonnant. Si on regarde le top 5 des meilleurs joueurs par semaine en NA, 4 semaines sur 5 c'est Dardoche au niveau de la jungle. Uni c'est 2 semaines sur 5 en top lane. Altec a fait une apparition aussi. Il n'y a que leur support qui ne s'est pas encore mis énormément en avant. Et encore, honnêtement, chez EcoFox, il y a tout qui roule en même temps, pendant qu'on va pouvoir revoir les meilleures actions de la game précédente, bien sûr. Ça roule très bien chez EcoFox. Alors après, ça marche parce qu'il y a un niveau mécanique qui est vraiment qui surclasse en fait ce qu'il y a en NA actuellement, notamment du côté de Uni. Pas plus, le match contre Cloud9 la semaine dernière, je pense, illustre bien le différentiel malgré un match-up négatif. Maintenant, chez TSM, il y a un joueur, en fait, il y a un talent d'Achille pour moi, c'est Sven, qui pour le moment n'a toujours pas trouvé ses marques. Alors, mais Mitty est chaud, Onzer est chaud, Bjergsen aussi. Je sais pas si t'as vu, mais ça mourir de rire, je sais pas. Il y a une vidéo de comment il s'appelle ? De Onzer, donc le top laner TSM, qui tombe en fait avec Sven. Et il fait « Oh non, surtout pas Sven et tout, la game dodge », il tombe contre lui, et là il le souille pendant deux games d'affilée, il le souille quoi, tu vois, genre il appuie sur tab, tu vois qu'il est Sven et à 1-7, et il fait « Mais regardez-le, il a 1-7 !» Et du coup il se fout de la gueule de son carry gâté, je fais « Mais attends, mais est-ce que c'est la blague? Est-ce que c'est vraiment une petite pique qui est lancée ?» Tu vois, tu sais pas vraiment quoi, parce que tu vois qu'il se fout bien de la gueule de Sven quoi, il hésite vraiment pas. Donc effectivement, gros point faible pour TSM.
Sven. Il y a beaucoup d'erreurs en fait. C'est pas juste une sous-performance. On aurait pu se dire, bon, allez, la phase de lane un peu fait. Par exemple, comme Sneaky l'était sur le Summer Split avant de se reprendre pour les Worlds, où il y a des petites erreurs d'overextend, de positionnement. Là, non, c'est le positionnement, il est naze. Les dégâts, ils sont pas là. Enfin, il a sorti une Xayah il y a deux semaines sur une game de 1 heure. Il fait moins de dégâts que, n'importe quel ADC en very late game. Enfin, c'est terrible. Pour l'instant, c'est vraiment terrible pour Sven. La bonne nouvelle, c'est que Mitty, depuis la semaine 3, on sent qu'il est rentré dans son rôle. Il n'y a pas de problème depuis cette fameuse charge de Horn. Ça marche bien. Hunzer, il ne fait que prouver qu'il est d'un meilleur top laner NA actuellement. Pour Bjergsen, bon, ça déroule comme d'habitude. Il faut Sven, quoi. Il faut un moment qu'il arrive à carry une game pour reprendre confiance. Et c'est vrai que pour le moment, même avec les victoires de TSM, ça n'a jamais été vraiment incroyable ce qu'il a proposé. Donc il faut peut-être attendre la game qu'il va réussir à apporter tout seul. Et là il va se dire bon bah ok, moi aussi je peux le faire quoi. Je suis comme Mitty, moi aussi j'ai du talent. Je pense que c'est un manque de confiance, je sais pas vraiment en fait, j'arrive pas du tout à analyser. C'est bizarre. Parce que le fait qu'il stream et tout, et quand je le vois en stream, il a pas l'air d'être plus peiné que ça quoi. Donc c'est vrai qu'on a et comme on n'a pas évidemment les insights de ce qui se passe vraiment. Donc, Après c'est vrai que chez TSM il y a quelque chose qui revient de split en split. C'est que bon, alors d'abord il y a le même Bjergsen et Kat Warn, mais c'est vrai qu'il y a toujours une manière de shot call et on va dire d'agencer le jeu qui a toujours été assez particulière, peut-être un petit peu rigide dans la manière de faire les choses. C'est alors TSM est une équipe rigoureuse, une structure rigoureuse. On peut par exemple parler de Sven Skuren et de son hygiène de vie quand il est arrivé chez TSM et de comment ça se passe en général. Maintenant, je me demande si ça n'a pas un petit rôle. Sachant que Sven et Mitty étaient quand même deux très gros piliers chez G2 sur les saisons précédentes. C'est des joueurs qui ont prouvé leur force. Là, ils sont en parallèle avec d'autres joueurs qui ont de très gros égos aussi, avec un coaching staff qui doit être à leur écoute, mais pas que non plus. Donc je me demande si... Est-ce qu'on laisse la marge de manœuvre suffisante à Sven ou est-ce que c'est juste Sven en fait qui n'arrive pas à rentrer dedans? Je sais pas. La question est posée. La question est posée clairement, en tout cas du côté des Echo Fox, on est solide. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir ces carriadés américains aussi qui arrivent à s'illustrer finalement. On a vu tout à l'heure Codison qui a fait quand même une superbe prestation avec chez les 100 face au Cloud9. Oui. Et là, même Altec du côté des Echo Fox, il est loin d'être mauvais quand même. Lui Altec, aussi, moi j'aime bien. Il arrive à prendre des games aussi à bras le corps et c'est vrai que ça fait plaisir. On n'est pas bon. Certes, c'est une équipe qui est dépendante d'Uni. Si Uni arrive à être très très bien dans la game en général, c'est une game qui est très facile. Certes, Uni en général arrive à quand même proposer des bons engages, à mettre une bonne pression sur la map, mais il reste bien accompagné et il faut quand même reconnaître au moins ça au reste des joueurs Echo Fox, c'est qu'ils arrivent à bien accompagner leur carry. Honnêtement, tout le monde joue bien chez Echo Fox, pour moi il n'y a pas de problème. Une interview qui m'a vraiment marqué dans ce split, c'est celle de Dardoche où il s'exprimait en fait par rapport à la position de Uni au sein de l'équipe, à savoir un peu le papa, le Messi qui vient de Corée, un joueur qui a évolué sous l'égide de Faker et de Koma, qui a pu accumuler un certain knowledge et en fait qui a un peu le rôle du père fouettard dans un certain cas, en fait qui a forcé un peu d'humilité, alors, notamment sur Dardoche qui était vraiment connu pour être un joueur un petit peu véhément, on va dire. Et derrière, Dardoche marche très bien. Phoenix fait un très gros retour. C'était un an de break pour Phoenix, pour l'un des midlaners les plus hypés des NA. On pouvait se poser la question, est-ce qu'il va être à niveau? Il l'est complètement. Et d'ailleurs, au niveau de la duo lane, Altec, tu en parlais. Moi, c'est un midlaner un AD carry qui m'a vraiment séduit sur la saison précédente, notamment avec Sivir. C'est un ADC qui a vraiment cette faculté à s'immiscer dans les fights, à se glisser dans les trous de souris pour arriver à trouver un DPS. Ouais. Et c'est un joueur un peu à la Apollo Akuo, tu vois, toute proportion gardée. Un joueur sur lequel il n'y avait pas forcément beaucoup d'attentes et qui a vraiment su fructifier, on va dire, cette position. Avec un Adrian qui, moi, je trouve, est un excellent support. Ça va être tellement stimulant, effectivement, de jouer avec un joueur comme Uni. Ce gars-là, il a été chez SKT, quoi. Donc, peut-être il a réussi à faire une place au Worlds. Ouais. Enfin, tu peux difficilement faire mieux, effectivement. Et donc du coup, allez, on est parti en tout cas dans cette draft. TSM contre Echo Fox, 4ème game de la journée, 6ème semaine déjà, 6ème semaine. Ça va vite, Plus que 3 semaines en fait. C'est ça. Plus que 3 semaines déjà. Pour la saison régulière. Bien sûr. Après, voilà, petite semaine de pause. Bien sûr. Playoff. Vous connaissez dans tous les cas. MSI. Oui. Mais ça passe assez vite et c'est vrai qu'en BO1, et on va voir justement si les équipes auront le. J'avoue que ça fait du bien. Assez d'entraînement. Ça fait du bien, Ça fait vraiment du bien, Puis, notamment pour des équipes comme TSM, je trouve qu'il il y avait ce côté un peu princesse de « Ouais, c'est un BO3, on y va tranquille, on va pas trop se fouler non plus sur la première game. » Là, t'as pas le choix. Et clairement, sur leur première semaine, TSM, on en fait les frais. Puisque si on regarde le record, ils sont dernier première semaine, avant-dernier deuxième semaine. Et il a fallu attendre la troisième semaine, cette fameuse vindicte de Mitty pour commencer vraiment à rentrer dans la danse. Maintenant, il va s'agir de confirmer. Cette semaine là, c'est quand même la plus dure qu'ils doivent faire dans le split. Pourquoi?
parce qu'ils sont en 8.4 du coup sur le client régulier, et eux s'entraînent sur le 8.3. Donc c'est-à-dire que leur solo queue, finalement, ils l'en font sur le 8.4, et surtout, ils vont essayer de trouver évidemment maintenant la stratégie la plus opti, hein, le plus rapidement possible. On veut arriver à s'adapter au patch avant ses adversaires, bien entendu, c'est le but du jeu. Et donc du coup, d'arriver à jouer quand même sur les deux tableaux, c'est quand même pas facile c'est à pas faire. Évident. C'est pas évident. Ouais. Donc on va, évidemment, on va voir hein, la semaine prochaine. Je crois que c'est la semaine prochaine qu'il arrive le 8.4. Ouais, en Western. On va après pour la Corée, à voir. Ouais, ouais. En tout cas pour Western, ce qui nous intéresse nous, pour les LCSNA. On va voir en tout cas quelle équipe va réussir à mieux s'adapter, parce qu'à mon avis, ça va être quand même un gros patch et ça va faire beaucoup de changements pour les joueurs. En tout cas, on est lancé dans cette draft, Teddy. Ouais. Après toi. Et bien écoute, donc le Galio pour Bjergsen, attention à ça, hein. TSM avec un Galio, c'est un Bjergsen utilitaire, c'est. Bah du coup en fait il n'y a pas l'hyper carry danois qui éclate tout le monde sur la mid lane. On va devoir remettre les side lanes en avant pour Hunter, pas de problème, la Camille était validée. Avoir aussi un flex peut-être pour Mike. Alors on n'a pas parlé de Mike Young pour le moment dans le profil TSM. Moi c'est un joueur qui, je vous cache pas, me convainc pas. Alors autant pourquoi il était bon, ils ont pas pris Contrax quoi. Ouais non ça je suis d'accord. Ça n'a tellement aucun sens. Mais je pense que c'est une question de hype pour moi. Parce que c'est un joueur qui en fait, si on fait l'historique de Mike quand il est arrivé. Alors d'ailleurs, même pour le cast français, c'est important parce que c'était là. Son premier match compétitif, c'est Noah qui l'avait casté. Où il avait call le hard carry de la part de Mike. Il est sorti d'Indali et il avait effectivement hyper carry. Et en fait, à partir de là, c'est un joueur qui a été très rapidement mis en avant sur la Nasidesk, en fait, sur le plan médiatique. C'est un joueur qui voilà, vraiment a bénéficié d'une aura très tôt. Ouais. Et ça a joué aussi beaucoup dans cette mécanique de rookie du split. Et je pense que en fait, il a récupéré tellement de lauriers rapidement que du coup, on l'a peut-être un peu surévalué. Et je trouve que, bon, en dehors de la semaine dernière et la semaine d'avant qui était ok, le reste était vraiment très moyen, en tout cas bien en dessous de ce qu'on pouvait attendre du jeu de leur TSM. Ce match-up sur la top lane, Camille contre Fiora. J'annonce Camille, enfin Fiora mid. Ou Fiora mid peut-être. En fait, la Fiora va face de Galio. C'est vrai, probablement. Oh, j'aurais bien aimé voir une Camille contre Fiora. Ah, j'aurais bien aimé aussi, ouais. Du côté de Uni et Hunter, ça aurait été quand même très marrant. Mais effectivement, probablement Fiora. C'est vrai qu'on a vu Fiora mid du côté de Uni. Effectivement. Ah, et oui, qui a été flairant sur le match précédent. Et Adrian Calista sur le Zilean. Alors, ça fait plaisir. Et Calista Zilean surtout. Zilean Ardent. Le Zilalert. Et une Violaine qui frappe très fort. Attention, les dégâts de base de Violaine sont colossaux. Alors derrière, bon, Violaine Ezreal Braum, quand même une Violaine qui est sacrément efficace. C'est faible dans les premiers niveaux parce que t'es un mêlé, bien entendu. Mais derrière, qu'est-ce que ça tape? Qu'est-ce que c'est dur à déloger? Et mais c'est relativement tant pis quand même bien chez TSM. Mais attends, mais d'ailleurs, Fiora, pour CLG, a été sorti contre TSM, je crois. Je crois que c'était contre possible, TSM. Ouais, c'est possible. Ouais, c'était contre TSM. Mais ça, la Fiora mine, c'est quelque chose qui existe depuis la saison d'avant. La saison précédente. Et c'était Wii qui l'avait fait. Il y a peu de joueurs qui osent le tenter quand même. Ouais, hein. C'est clair. Alors, c'est Phoenix, bien le profil contre de Keen et de Wii. Ouais. Ouais. Mm-hmm. Et là, Phoenix, pour le coup, qui se met dessus. C'est un joueur, c'est même pas un diamant, c'est un master brut en termes de mécanique. Phoenix. Face à l'un des meilleurs joueurs. Bah, le MVP du split précédent en LCSNA, Bjergsen, l'un des midlaners les plus redoutés de tout temps. Ça va être très intéressant, sachant que, alors ça c'est un choix quand même qui est assez ambitieux je trouve de la part de TSM, le fait de prendre un Kha'Zix dans la jungle. On a une relation de jungle mid qui est très forte chez TSM, là où celle des Kofox c'est un peu en dessous quand même. Ils l'ont pris en deuxième rotation je crois le Kha'Zix. Non, ils l'ont pris à la fin. Ils l'ont pris dans la split. Ouais, en deuxième rotation pick 2 là. Ah okay. Oui, exactement. J'ai pas précisé. Mais en fait, Kha'Zix, finalement, ça. Bon, je pense qu'il restait plus beaucoup de jungle disponible déjà. Et en plus, Kha'Zix, finalement, ça met une grosse pression sur Phoenix. Hein. Avec Ultura, là, t'es jamais serein face à un Kha'Zix. Ouais, c'est ça. Tu et regardez. Tellement de dégâts. Bjergsen et électrocution sur le Galio. Double électrocution. Du coup, ah, ça va la synergie mid lane et jungle. Attention à Phoenix, à pas trop grid. Sachant que Phoenix. Oh waouh, le butin. Il a mis un coup, il a eu un butin. La réussite. Ah, il va se mettre bien. Hein. Il va se mettre très très bien. Et c'est Kleptomancy, Targon, avec ce petit butin. Ça, c'est le Guspel à 150 gold. C'est fou. Et attends, mais est-ce qu'il va utiliser son paquet de gold ou il va back pour aller vendre son item? Qu'est-ce qu'il fait? 65 gold, elle est récupérée là. S'il vend sa bourse. Oh, vaut mieux le dépenser du coup. On va pas prendre le back. Bah, c'est la question, est-ce que tu utilises justement cette bourse? Toi, t'es plutôt le joueur qui va utiliser les bourses plutôt que les vendre à la moi, base. Moi, j'aime utiliser les bourses, non, je te le cache pas.
Ça, j'avais, c'est mon dada. J'avais cru comprendre. Mais sur League of Legends, je vais dire. Oh, le coquet. Ne me dis pas ce que je n'ai pas dit, Nono. Du coup, pas de bac. Bah, pas de bac, non. Pas de bac. On l'a claqué. Les sous-sous dans la poche, pas de problème. Bon, Phoenix qui joue l'économie. Bjergsen qui va jouer le kill probablement. Avec Mike derrière, le start bot side pour Dardoche, Altec et Adrian. Ok. Start en cross map pour Mike sur un blue buff. Pull pour Hunzer. Bon, après, c'est pas forcément un problème pour une Camille de devoir pull. De toute façon, contre un Vlad, t'es pas censé avoir ta pression avant le niveau 3. À niveau 2, tu peux peut-être te défendre, mais bon, voilà. C'est un Vladimir, c'est un range. À part mettre des comètes, t'as pas grand chose à faire. On va turtle, on va attendre tranquillement. Pendant qu'on voit les stats de Hunzer hein, sur GP, 4 wins, 0 lose et 6 défaites quand il n'a pas ce GP. Voilà, voilà. Et il n'a pas GP. Et il n'a pas GP. Mais il a une Camille. Il a une Camille maintenant. Qu'est-ce qu'il va faire avec Camille? Ouni a en tout cas l'avantage du match-up là pour le moment. Il a l'avantage du range. Et on voit qu'au niveau de la speed, bah, il est très précis. Hein. Sur ses auto-attaques, allez, le trade de la part de Altec et de Adrian. On arrive à faire beaucoup de dégâts sur Sven. Déjà, Sven qui prend cher là sur ce move. Ah, le problème, Mithy a pas grand chose à faire au niveau 1. Il a pas d'argument. Spell, c'est voilà, une petite erreur, ça pardonne pas. Ça, c'est le genre d'erreur. Bah, ça coûte cher en réalité. Hein. Même si t'as pas domination de lane, il y a quand même eu un sacré paquet de spears. Oh. Et surtout en plus, tu rates la suite derrière. C'est une Kalista qui va pouvoir s'exprimer, c'est un Adrian aussi qui va pouvoir balancer de la bombe. Donc c'est-à-dire qu'en termes de POC, on est quand même sur une duo lane qui est très agressive pour Echo Fox. Et prendre des dégâts en early game, heureusement les petits cookies qui vont pop. Les fameux petits cookies. Ouais, il va en avoir besoin Sven. Alors sur le mid, pendant ce temps à Phoenix, cookie aussi d'ailleurs. Allez, ça touche. La petite potion de mana qui fait toujours plaisir. Bjergsen qui reste extrêmement safe hein, pour le moment. On doit être patient, on doit attendre une probable pression de la part de Mike, on se tient au niveau du top side Hunzer. Et déjà bien derrière en termes de farming, 10 creeps de retard, 4 à égaliser peut-être ici. Bon, pas très compliqué pour une Camille, voilà un petit Q, on valide. En ce temps-là, Mike, qu'est-ce qu'on fait? Invade, directement, on perd pas de temps. Ça qui est trop fort aussi, hein, quand t'arrives à la site, quand t'as une assez bonne connaissance du jeu pour arriver à la site avec tous les champions avec l'auto-attaque, et bien sur un champion comme Vladimir qui a des spells à dépenser, tu peux y aller, tu peux t'en donner à cœur joie. Tous tes spells vont être délivrés sur ton adversaire. Et tes clics droit sur les creeps. Et c'est vrai que bah, ça marche bien pour Uni. Il a un Ignite en plus en poche. Ouais, ouais. Donc Hunzer peut pas forcément prendre de risques et partir sur une récupération de Last Hit qui est peut-être un peu trop risquée. Sous peine, évidemment, de manger un Ignite et un déferlement de haine de Uni. Probablement, et d'ailleurs Uni hein, qui arrive à push la lane, récupérer la vision assez deep, donner l'information du coup à son jungle. Il est pas au niveau de son Gromp. Voilà, attention ici, le blue de base sur les dégâts bruts. Joli balayage là pour Hunzer. Oui, qui va devoir peut-être temporiser un petit peu. Après, il y a le bouclier de Doran, il reste encore de la potion. Et il y a ce désintégrateur de sbire hein, pour Oni. Il apporte quand même un certain confort au niveau de la ligne. Hunzer intelligemment, quand même, qui arrive à trouver un freeze relativement efficace. Ça, c'est ce que tu veux avec ta Camille. Hein. Pouvoir positionner la vague en plein milieu de la lane. Ouais. Si possible, proche de ta tour. Et derrière, laisser un angle d'attaque pour ce Kha'Zix. Il attend sa poule, hein. Oni va temporiser, attendre aussi d'avoir un peu plus d'informations sur Kha'Zix. Et l'info va être récupérée là. Maintenant, l'information est prise, Kha'Zix a utilisé son jump. On peut se replacer au niveau de sa map pour Uni et remener la charge sur son adversaire. Pendant que Phoenix, lui, Phoenix. Au niveau de midlane, il va essayer de trouver le trade. Bon trade là-dessus, des dégâts, hein. C'est pas mal, pas de taunt de Bjergsen évidemment, on va prendre le risque de rentrer dans la parade. Il y a un téléport hein, de disponible pour Bjergsen. Ouais, il a pas le choix. 40 CS en poche. Il a pas le choix. Après, faux. En fait, ce genre de trade, c'est la force de la cryptomancie, hein, c'est que tu stacks tes golds en même temps, hein, bien sûr. Et Darda qui connaît ses timings, hein, bien entendu. On va attendre tranquillement que les combats répop. Rien à faire, on va danser. Le POC est bon de la part de Adrian et Altec. C'est bien fait, ouais. C'est bien fait. Sven qui a quand même réussi à faire le dos rond en termes de farm. Ouais. 5 creeps derrière, bon, ça reste un retard relativement important à 5 minutes de jeu, mais au vu de ce qui s'est passé au niveau, on aurait pu s'attendre à pire. Du coup, il va falloir continuer sur la lancée et surtout faire en sorte de rentrer à la base avec un timing peut-être un peu supérieur à celui d'avoir juste la tears. Oh, et Mithy qui prend cher. Hein. On ne trouvera pas tir patient. Bon, la lane qui va se recontrôler. Phoenix qui reprend sa mienne, Tiamat en poche. Et là,
Là, ça va être un problème pour le Gaillot de Bjergsen. On est obligé de partir sur beaucoup d'AP. Du coup, qui dit beaucoup d'AP, bah, dit peu de défense. Face à une Fiora qui va à son niveau 6, il y a un vrai risque de décès. Et derrière, bah, en termes de wave clear, il y a une problématique de coût en mana sur Gaillot qui est un peu moins présente sur une Fiora. Du coup, pourquoi pas, Phoenix, c'est d'accompagner un Dardoche qui pourrait aller embêter Mike, qui voilà, fait pour l'instant un début de game qui est correct. Après, on n'a pas eu une énorme pression non plus. Ouais, attention par contre Altec là qui va prendre beaucoup de dégâts en défense au flash. L'Ignite qui est passé de la part de Mitty. On a beaucoup de dégâts. Le turn de la part de Adrian peut-être. Non, l'Exos qui serait uniquement lancé. Pas plus de risques. Akazix qui traîne. Et attention Altec au placement. Là-dessus, ça faille être fatal. Makyung qui avance, qui va apporter un petit peu de vision à ses coéquipiers. Prendre l'information que Kalista a back. Ouais, Mike, et alors pas mal justement de mettre de faire perdre un petit peu de farm à leur adversaire et d'XP surtout. Et ça c'est quand même une bonne chose. Malgré leur game difficile, on arrive à trouver un bon trade. Plus le Summoner Spell de disponible pour Altec. Ah, les flashs de disponible pour Mitty et Sven. Et on sait bien que Mitty, en général, il aime bien les situations comme celle-ci. Parce qu'il peut s'en donner à cœur joie. Il peut arriver à trouver la petite fenêtre d'engage. Avec un ultimate bien placé sur Broom. Pas rien que le spell bien connecté. Une bonne inspiration, quoi. Ah, il a eu la bonne inspiration tout à l'heure. Hein. Ouais. On l'a vu. Hein, c'est, alors Sven, il follow up très bien, il n'y a pas de problème. Mais... c'est ce Broom qui fait ce play, hein, ce bon Q-spell. Dashin, ouais, Q-spell. Dash à chaque fois. On n'a pas hésité à un Lignite qui est parti très tôt dans ce trade, qui a réussi à deny ce heal justement. Mythic qui est toujours une valeur sûre. Et attention à Phoenix, Tapara qui mise un petit peu tôt. On trouve le taunt, de bons dégâts, d'échanger là-dessus. Mais voilà, la Fiora à base de Regen, on va pouvoir sustain et surtout sous Red Pot. Hein. C'est compliqué, c'est très en fait, compliqué pour Bjergsen pour le moment. Je connais pas les stats de Gaillot. Ok, d'accord. En fait, à mon avis, juste la baguette explosive du coup lui permet d'arriver à trouver le wave clear au niveau des speed range. Ouais, et c'est l'information en fait qui va absolument récupérer Bjergsen. À partir du moment où il a la paix pour arriver à one shot les speed range, au moins il s'accorde un petit peu de temps et il peut respirer un peu plus sans avoir voilà à avancer un petit peu trop. Bon, attention, par contre, le trade. Ça touche, on trouve le crit. C'est propre là pour Phoenix. Et on stack des butins encore. En termes de farm, ça tient bon. Ah ouais, le back, Bjergsen, vraiment? Il est midlife, hein. Ouais, d'accord. Ouais, mais là, avec la wave qui arrive, ça aurait été quand même sacrément étonnant. On va prendre le back maintenant, probablement. Le Spear Canon qui va permettre de temporiser un petit peu, mais ce sera quand même beaucoup de farm de perdu. Pour Bjergsen, beaucoup d'XP, pas de téléport de disponible. Puis si, ça, on a des mids, hein. Ça bouge vite quand même sur un. Même sur un pas canon, le moment, si toi attaque. De mettre l'ultimate de Gaillot pour se rapprocher de la lane. En situation désespérée. Mesure désespérée. Ouais, la fin justifie les moyens, effectivement. Et ce blue buff, reset. C'est bien fait, ça, par contre, pour Mike Young. Du coup, Dardoch a pas eu l'information, en fait, sur ce blue buff. Alors, logique, même avec le brouilleur, il l'a pas eu, je crois. T'as pas le camp grisé. En tout cas, il a avancé son move. Après, bon, il a pas de pression sur la mid lane. Je pense qu'il voulait juste avoir l'information sur le jungle adverse, Dardoch. Au pire, il le retarde. On est quand même sur Dardoch qui a un niveau d'avance là sur Mike, si je me trompe pas. On est ouais, sur un niveau 7. Contre, ça y est, il est passé level 7, Mike Young. Ah, avec un petit camp de. Alors, pas tout à fait un camp entier de retard, mais on est derrière. On est derrière. Et un Kha'Zix ne doit pas tomber derrière contre une Sejuani, tout simplement. T'es là pour mettre de la pression, que ce soit sur de l'invade. T'as un duel, même si tu peux pas tuer une Sej normalement. T'as des dégâts à proposer et t'as surtout une grosse pression en line à mettre en place. Et ça reste quand même étonnant quoi, de la part de Mike Young, pourquoi juste pas avoir montré sa présence sur la mid lane. Ah bah bon. D'ailleurs, en parlant de ça, coucou. La présence sur la top lane par contre, le combo est très très bien lancé là de la part de Echo Fox. Les dégâts sont suffisants, first blood pour le top laner. Qu'est-ce qui se passe en mid lane? Oh, j'ai bien voulu savoir ce qui s'était passé en mid lane. Rien du tout, pas de moyen de claquer. Ouais, Phoenix effectivement qui a été intouché. Oh là là, et attention au niveau de ce bot side, Mitty qui prend de lourds dégâts. De très lourds dégâts, c'est bon. La porte de la montagne, bien parfaite joué. Montagne. Mythique est archi chaud sur son Brome là encore. Ça touche. Mais Gaikon, c'est parfait hein, ce que propose le support espagnol. Ouais, Mitty, ouais. On n'est pas là pour poser du parquet. Et du côté de Mike, du coup, recoucou au niveau de cette mid lane. Oh, pas de parade. Est-ce qu'on peut pas vraiment tenter ça? Non. Un flash on va pas dispo éventuellement pour Bjergsen. Ah, et Phoenix, il est au courant. Hein. Regardez, il va essayer de freeze la lane justement, se mettre en sécurité. Et l'engage a juste été parfait hein, du côté de Dardoch sur cette top lane. Anzer crucifié sur ce move, pas de réponse. Malgré le bon farm qu'il avait. Ah, il faisait un bon boulot, hein, mais bon. Ah, derrière, puis en plus, c'est un ultimate Atomic Stack de lâcher. Sans grand intérêt. Alors, on a voulu tenter l'escape, mais c'est vrai que le langage était tellement propre, le follow-up aussi, que difficile d'arriver à sortir de cette phase de jeu. Et derrière, c'est une Camille bah, qui va être ralentie. Surtout que Protobelt terminé sur Uni. Hein. Protobelt, Into Freeze, il y a une stopwatch, il y a des bottes de lucidité. C'est un Vlad qui est complètement efficient à ce moment de la partie.
là où pour Under, bah, on sait que la Camille, elle est quand même assez trinité dépendante. Ouais, ouais, il faut du stuff, hein, clairement pour Under. On va même avoir un petit peu de wave clear, ce serait pas de trop. On va essayer de forcer Uni justement à push à lane en lui mettant des spells au maximum. Cancel en fait le freeze. C'est ce que va Hunter. 17 de retard pour le moment et Makyung, peut-être. Le premier move là pour rejoindre ses, pour aider ses coéquipiers. Ouais. C'est un Kha'Zix pour le moment qui a pas proposé beaucoup de dégâts alors qu'il a déjà le Warrior en poche. Ça fait mal, hein, Kha'Zix Warrior avec électrocution. Surtout à ce stade de la partie où on n'a pas encore les atouts nécessaires pour Echo Fox pour arriver à tenir au moins un burst. Pas de Ninja Tabi en fait, nulle part d'ailleurs. Donc on a clairement quelque chose à faire, mais on n'arrive pas du tout à trouver de timing. Et je reste étonné quand même, pourquoi un Kha'Zix au level 4 il tente pas de faire un move sur la mid lane juste pour faire respirer en fait un Bjergsen? On voyait par exemple beaucoup ça dans les match-up Orianna contre Lucianne. Et Lucianne mettait une grosse pression en fait au niveau de Orianna en early game, qu'il y avait systématiquement un jungle qui arrivait justement pour essayer de back-up un petit peu. Et là en l'occurrence, bah, ça n'a pas été le cas pour Makyung. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mike un peu transparent pour l'instant au début de game. Enfin, ça c'est un peu le temps. Parce que tu l'as dit, avec une Fiora, avec un Targon, plus le butin, on a vu qu'il y avait quand même pas mal de réussite, Phoenix. C'est propre ça. Et non, c'est vrai qu'il accumule beaucoup de gold en fait, finalement, Phoenix. C'est du all-lane par contre qui souffre. Ouais, Altec, en fait, c'est Mithy hein, vraiment qui fait un énorme ouais. travail au niveau de cette lane. Alors, pour Sven, bien sûr, qui a un très bon follow-up en termes de tir mystique, mais c'est vrai que les dégâts qu'il arrive à placer, les angles au niveau de ses concussions. Son enfin crocodile pardon, c'est quand même assez propre et ça fait du bien là-dessus hein, pour un Sven qui a besoin de respirer. Il a la même une en poche maintenant, il y a la brillance, on commence à avoir de bons dégâts, ça scale vite et bien, il y a les potions derrière pour arriver à tenir sur le poke de Adrian et la tour se fait gratter hein. Ce 2v2 est à l'avantage de TSM pour l'instant, même si au niveau bah des ouais. golds ça ne se ressent pas encore. Finalement on n'arrive pas à trouver forcément le poke qu'on recherche. Et en plus on joue un petit peu avec la peur au ventre là du côté de cette duo lane. On va mettre des wards sur le blue buff. Une ward au niveau du bush aussi. On veut couvrir complètement. Si jamais il y a un dive qui arrive pour les TSM, ça peut être mortel pour eux. On n'a pas encore les armes suffisantes. Certes, il y a un ultimate de Kalista, certes, il y a un ultimate de Zidane. Mais ça reste quand même deux champions qui sont très sensibles à un Braum et un passif de Braum. Et on sait bien que Mithy, évidemment, ne va pas hésiter à mettre des auto-attaques sur les deux champions. Pas seulement un. Pour être sûr d'arriver à trouver des pick-up. Allez, au niveau de cette mid lane, là pour le moment, le bâton séculaire qui se rapproche pour Bjergsen. Oh, c'est raté. On l'a vu. Bon, ça reste un creep. Ouais, petite dizaine derrière. Phoenix qui va vraiment arriver avec un base. Et là, c'est la course. Et là, c'est vraiment la course. TSM qui essaie de récupérer cette T1 sur la bot lane le plus rapidement possible. Et Uni, au niveau de cette top lane, qui va récupérer la tour en premier? Quelle lane? Quelle side lane? Mystère et boule de gomme Nono pour l'instant. Ça va dépendre aussi de l'intervention des junglers. Hein. Dardoche qui a récupéré la prison de givre. Pour Mike, on a tout disponible. Et ça part sur Nidveil d'ailleurs hein, pour le jungler TSM. Il y a un red buff à se mettre sous la dent. Ça c'est pas mal. Bonne ward, pas de ward de contrôle on stuff. Ça vient à manquer. Et c'est un Kha'Zix avec des bottes de mobilité. Là, il est en permanence. Qu'est-ce que c'est que champion? Mais qu'est-ce que c'est que champion honnêtement? Il a traversé toute la jungle en étant invisible. Vous savez qu'il y a la petite sœur de Kha'Zix qui va arriver en LDC, non? Ouais, tu veux, ouais. Ça va être un grand moment aussi. Ça va être sympa. Mais il y a pas mal de trucs, même la nouvelle maîtrise, apparemment, il y a une nouvelle maîtrise qui va arriver pour les carry AD. Plus tu tapes, plus tu stack des dégâts. Un peu comme le nouveau Liandry. Ok. A voir si ça se confirme ou non. Wait and see. Mais en tout cas, on va pouvoir récupérer le red buff. Uni sur la top lane a fait son back, il a encore réussi à forcer son adversaire à back. Il y avait une trinité à les récupérer pour Under, certes. Mais du coup, une nouvelle fois, on prend des dégâts au niveau de cette T1. Et les creeps, du coup, évidemment, qui s'en tiennent à cœur joint. Hein. Quand ils arrivent au niveau des bâtiments, ça fait beaucoup de dégâts, stade de la partie. Et Uni, qui va probablement demander un petit peu de soutien à son coéquipier. Si jamais ils arrivent à tuer Under, ou en tout cas le sortir de lane, on peut débloquer une tour très rapidement, ça m'étonnerait qu'on fasse une intervention sur la bot lane. Oh là, oh là, et attention par contre à Phoenix. Oh c'est greedy, oh c'est greedy Phoenix. Aïe 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 Phoenix, en danger le flash, flash in pour Mike et bien sûr un Q-spell. Entre eux et deux omoplates, trade de flash là-dessus Phoenix. Très ambitieux sur son placement, pas d'infos sur... Enfin, et la com des il y a la ward de contrôle, ouais mais non, les deux n'ont pas flash, il n'y a qu'un seul qui flash. Mais oui, Phoenix là c'était un peu. C'était complètement greedy là, je sais pas ce qu'il cherchait. Le c'est sûr que c'est fatal. Et la tour finalement qui était récupérée à l'avantage des TSM.
un kill sur le Kha'Zix, un first, non c'était pas un first blood, autant pour moi, un kill sur le Kha'Zix et une first brick. Et les rotations vont pouvoir se mettre en place, ça sera une trinité d'ailleurs sur Sven. Je sais pas si tu l'as mentionné. Non, pas encore, non, non, clairement. Qui arrive, donc pas contre les Givrants. On sait bien que contre Kalista, pourtant c'est un joueur intéressant. C'est vrai. Mais c'est, et c'est pas, contre une Fiora aussi d'ailleurs au passage. C'est vrai. On y est. Oula, attention, on y est, on répond les mots plagues, l'Ignite qui a été lâché. Et c'est vrai que ce joueur de Trinité, bon, peut-être un Sven, voilà, tu disais, il faut être. Holder. Heureusement qu'on n'avait pas de transfusion. Oh, là, attention, l'arrivée de Dardoche. On va tellement prison. Loin pour Holder, il est au courant. À l'assaut. Échec. Il m'aura pas. De la et du coup, la tour top maintenant va tomber. Kofox, il va reprendre l'ascendant en termes de gold là-dessus. Et dans les placements de Dardoche. Quelle présence sur la map. C'est vrai que j'attends vraiment de voir une stat là au niveau des présences sur la map. Difficile d'accès en fait, où Dardoch a gank le plus depuis le début de la saison. Et à mon avis, ça va être c'est la top lane. Hein. Ouais, ça c'est très... un gros point rouge au niveau de la top lane. Le match Cloud9 TSM, non c'était Cloud9 Echo Fox de la semaine dernière, je trouvais assez évocateur sur le playstyle de cette équipe, justement cette équipe Echo Fox, et de la passion, je dirais, de cette bromance qu'il y a entre Ouni et Dardoch. La fusion de deux cultures, l'Amérique du Nord. Puisque Dardoch est l'un des rares joueurs venant du vivier nord-américain à vraiment performer de manière très très correcte. En tout cas dans ces jeunes générations, et Ouni venant de Corée. Et c'est vrai que ça marche très bien. Deux joueurs qui s'entendent vraiment à merveille. Et c'était Licorice qui en avait fait les frais. C'était genre du 5 gank en 6 minutes de jeu. C'est quand même extrêmement sale. Un peu comme ce que va prendre Sven en fait. Ouais. Oh. Salut. Ça veut quoi ? Coucou. Bonsoir, c'est la police. Il y a un flash encore pour Mitty. Oh, le gagnant. Oh, waouh, Mitty. Le gagnant est de Mike. Wow. Le burst, Adrian flash out. Les stopwatch qui s'activent. Attention, Altec ici dans les airs. Adrian également crucifié. Altec qui s'en sortira et tout. Cette bombe qui mettra Mike à rien du tout. Attention, l'ultime Atomic Steak, le ménage qui est raté, certes, mais Altec qui n'a plus de porte de sortie. Le contre TSM et surtout ce Galio. Quel travail derrière Phoenix. Oh, c'est terminé pour Phoenix, c'est pas possible de sortir de là, impossible. Et ça sera 5 kills, ça sera un ace en fait de récupérer pour les TSM. Et quelle faille de Brome. Mitty a juste été incroyable sur son décision de making. Regardez Mitty, c'est juste incroyable. Il fait déjà burst, évidemment on essaie de trouver un one burst hein, du côté des Kofox sur un support, c'est pas facile avec la porte de la montagne. Et là regardez le flash in, auto attack, Q spell sur Altec. En fait, à lui seul, il a parfaitement contrôlé le fight. Ah, il a temporisé. Il absorbe tout. Il engage directement sur le carry, pardon, donc le champion qui fait des dégâts. Et après, il débloque du coup 4 kills pardon, par la suite. Enfin, 5 kills même, puisque Fiora est mort tout à l'heure. Ouni n'est pas tombé. Donc, c'est 4 kills. Ouni n'est pas tombé. Non, alors là, par contre, Phoenix. Pas pour moi. Phoenix tape. Ça me fait mal au cœur. C'est vraiment un excellent joueur, Phoenix. Mais là. Ça fait deux fois. Ouais. Deux fois les parades sont vraiment. Après bon c'est difficile, il y a un jeu d'esprit. Hein. Mais les parades sont quand même un peu précipitées. Et surtout c'est des trades sur lesquels tu sais pas en fait où l'adversaire. Et c'est même pas comme si on se disait bon il y a 70% de chances qu'ils soient en cross map. Non non non. On sait que le Galio était au top. On sait que le Galio il va redécaler au niveau de la mid lane. Avec tenter un go-in dans ce genre de situation. Avec un Kha'Zix qui joue mobilité, avec un max ultimate hyper mobile sur la carte, qui est niveau 12 hein. Le Mike est du même niveau que les solo laners Echo Fox pour le moment. Ça, c'est un vrai problème. 0-2 sur une Fiora, c'est un personnage qui a été validé dans un draft Echo Fox pour contrer le Galio en termes de 1v1 et après pour pouvoir split push. Une Fiora qui prend du retard en termes de mid lane, c'est une Fiora qui va avoir un impact très limité. D'autant plus qu'on est sur une composition avec laquelle le wave clear, bah, il n'y en a pas, Nono, en fait. Si Echo Fox tombe derrière, la défense, elle n'est pas permise. Non, ça risque d'être compliqué, effectivement. Pas encore de runan pour Altec. On est sur deux items sur ce Ezreal, une T1 qui est tombée, pas de héros de la faille heureusement pour les Fox. Mais du coup c'est un Hunter aussi qui a pu récupérer deux kills. Finalement maintenant la lane phase qui était douloureuse est un lointain souvenir. On a pu récupérer des kills clés qui permettent de débloquer voilà un Tiamat. Maintenant on a du wave clear, on va avoir un save empirique pour avoir du sustain supplémentaire. Et Ouni maintenant, que peut faire Ouni pour arriver à protéger ses coéquipiers? Sachant qu'on est beaucoup trop à la ramasse pour Phoenix, on peut jouer éventuellement la carte du 1-3-1. Quelles sont les armes en fait de Phoenix face à Camille? C'est la question pour les Echo Fox. Si Phoenix arrive à tenir le split push de Hunter, c'est parfait. Bah normalement tu dois pouvoir avec une Fiora, t'as les armes. Hein. Parce que le gros risque dans le match-up c'est ça reste quand même le hookshot, le grappin. Ce qui est un spell qui est suffisamment lent pour arriver à voir le timing et arriver à caler une parade. En tout cas Phoenix est censé avoir le niveau
pour pouvoir faire ce genre de choses. Maintenant, Ounir en cross map, il a pu récupérer cette T1. Il est bien dans sa game, hein. C'est du ouais, c'est un bon 40 creep bien tassé d'avance sur Hunzer. C'est un Vlad qui a pris son kill. Il y a la protobelt, il y a le Liandry, il y a une stopwatch, il y a des arguments. Il y a beaucoup d'arguments, oh, et on voit ici les beaux plays qui étaient claqués là-dessus. Ouni qui met de très gros dégâts. Regardez le burst, hein. Stopwatch 1v2, Ouni réception. Par contre, arrivé de Sven, le backup est trop lent. Côté quoi. Tous les amis de Mythi, c'est vrai qu'ils sont bons, quoi. C'est incroyable. Flash in de Darduk, non, autant pour moi. Flash out de Sven sur la bolas, ce qui va laisser évidemment le champ libre à Hunzer pour récupérer du farm et rattraper justement son retard par rapport à son vis-à-vis. Bon, Ounir fait le travail, on va revoir le, voir ça. Voir le burst est bon, mais la belle temporalité, la stopwatch, hein, qui fait toute la différence. Bonjour. Ouais. Le timing est parfait. On n'a pas réussi à se planquer derrière le brome du côté de Mike Young pour pas encaisser ce premier E de Vladimir. Sinon, ça aurait fait la différence sur ce trade. Mais n'empêche, pas problématique pour le moment. Finalement, on va pas envoyer Fura contre Camille, hein, pour Fox. On va laisser Ouni face à son vis-à-vis. Il commence à accumuler en plus un petit peu d'armure. Allez, bon, qui passe pas pour l'instant. Ah, sur les rôles, la faille a été récupérée, mais bon, j'avais même pas vu. Ça va vite, hein. Ça va très vite. Ça va très vite avec les replays. Je le suis vraiment. Ah, c'est pendant le replay, ouais, probablement. Probablement, ouais. Souhéral pousse la touche. Oh, attention ici, Ouni encore qui prend un V2. Ouni sur Mike, le flash out, le taunt. Et Hunzer qui passe en Killing Spree. Cette mid lane. Tiens bon, à peu de choses certes, mais tiens bon. Et les TSM, Nono, écoute, à 22 minutes de jeu, qui prennent le lead en 2 cagoles d'avance, peut-être un deuxième dragon et pas n'importe quel, deux montagnes sur une proposition d'équipe qui n'avait pas de. Ouais, pas spécialement une volonté de faire un dasher tôt. Avec ces Drake, c'est un plan de jeu qui va varier. Et c'est une équipe qui peut porter un 1-3-1. Donc ça, pour Ecofox, ça fait mal, hein, sur plan tactique. Le 1-3-1 est perdu, le wave clear est perdu. Ça fait beaucoup de choses. Ouais, ça fait beaucoup. Ça fait clairement beaucoup, on a toujours pas de Runan là du côté de Altec, il va falloir temporiser un petit peu plus. Et c'est vrai que les TSM finalement en early game aussi ont toujours été très bons. Ils sont bons au niveau des first blood, ils sont bons au niveau des first break, des first tour. Attention par contre à Dardog. On va pouvoir se raviser, on a juste allé chercher des wards un petit peu deep justement pour laisser le champ libre à Phoenix maintenant qu'il a récupéré l'Hydrovorace et la Trinité. Il a les armes finalement pour arriver à tenir son un Galio facilement, le sustain à son avantage. Ah, c'est dur. Ah, le Camille Galio. Camille Galio avec un Kha'Zix. Alors, par contre, Mike, ça fait deux fois, il va peut-être falloir envisager un Nexdrinker. Il n'y a pas de botte de Mercure. Voilà. Ouais, d'ailleurs, il est en préparation. A raison. Et derrière, les Ecofox qui vont pouvoir contrôler Snatcher, c'est important. C'est la clé de voûte, hein, de cette 24ème minute de jeu. On va devoir garder un œil dessus. Ah, il faut débloquer cette tour aussi mid. Et il faut protéger Ouni surtout. Ouni doit push, hein. Il doit aller chercher cette T2. Ça fait trois fois d'affilée qu'il s'est attrapé en 2v1. Il y a un vrai manque de map control chez Ecofox. Alors les TSM, est-ce qu'ils vont justement se précipiter et commencer à perdre des fights? C'est bien que les équipes maintenant sur ce patch qui ont l'avantage en early game n'arrivent pas forcément à transformer après en victoire. On va voir si les TSM justement peuvent le faire, sachant que pareil, du côté de Hunzer, est-ce qu'on peut maintenant tenir un Vladimir? Est-ce qu'on va attendre peut-être les premiers items AMR? Au moins un Slinker, je sais pas trop ce qu'on va faire là du côté de Camille, peut-être un visage spirituel. Ah, il faut jouer le sustain. Ce serait une excellente option effectivement. Et monter à 40% de CDR je crois d'ailleurs par la même occasion. Ouais. Complètement. L'ange gardien pourrait être une option intéressante aussi. Tout dépendra des gouttes de Hunzer en fait. Hein. Pendant qu'on a un Mike. Il y avait une rampe de lancement vers la mid lane. Sans succès pour le moment. Et Ouni qui va prendre ce bot side avec un Zhonya. Chose qui pourrait, qui va changer beaucoup de choses justement au niveau de la phase de pick-up des TSM. Parce que là maintenant, avec la Blue Bass, l'Hemoplague plus de Zhonya, ça fait quand même beaucoup d'arguments de tempo. Et pour Ecofox, il y a cette capacité par contre à engager un Dasher, à le faire rapidement, mais il y a quand même une Kalista. Altec qui se fait discret dans cette partie, mais qui a son épingle à tirer du jeu. En plus qu'on a le Zilean derrière qui commence à scale un niveau 11, il y a la tire, il y a Altec là qui met du bon rythme. Je trouve pas l'extirpation tout de même, mais à Mythi doit respecter son adversaire maintenant. Ouais, il y a quelque chose à faire peut-être pour les Fox. Enfin, ces items sont arrivés. Altec. Le Runan qui va être capital pour arriver à kite les TSM. On a les Shrinkers pour Mike Young.
Donc un peu moins finalement de dégâts à proposer qu'un stuff avec base de Black Cleaver ou Diumu. Et on va engager directement Snasher. Hein. La formation a été récupérée pour TSM. À mon avis, on va essayer de trouver le disengage. Le barrage Terrebrant qui est juste excellent. 6500 HP pour le moment, c'est beaucoup trop. Bjergsen, Phoenix, il va essayer de trouver un trade. Flash-in de la part de Bjergsen. Et c'est terminé pour les deux joueurs. Red Buff. Dardoche, le double kill pour Bjergsen. Phoenix. Pas de parade encore malheureusement sur ce taunt. Le knuckle qui va passer. Phoenix qui se replace. Follow-up, ça suffira. Oh, le heal. Ça suffira bien sûr. Et Uni derrière. Dernier survivant encore en lice hein, dans ce fight puisque Dardoche fait son back. À quel le point Nashor est désespéré pour faire un move comme ça en vrai. Ce pick Nashor est tellement risqué. On voyait qu'au niveau des dégâts, c'était pas clairement pas suffisant. C'était à 7000 HP alors que les TSM étaient déjà en position. Bah, ils se sentent de partir en fait là, les EcoFox. Hein. Je pense que ça c'est le. En plus, c'est un peu le coup de la dernière chance. Hein, ce placement. Ah oui d'accord, j'avais pas vu ça. Ah t'avais pas vu. Trop marrant. Ah oui non. Donc Zilean sort au moment et il fait ouvrir par Galio au même moment sur la même frame. C'était juste trop marrant. Ah même pareil, c'est un joueur généreux, hein, Bjergsen. Il en a pour tout le monde. Bon et Sven voilà qui veut faire à la finition. Et même le catch mid lane. Et pas passé, on est d'accord. Assez propre ça de la part de Hunzer. C'est extrêmement propre mécaniquement. Ah, Ledonia et tout, on peut turn hein, maintenant. Ça suffit pas, voilà. Mais. Il y avait de l'idée. Il y avait clairement de l'idée. Il faut atteindre les premières items MMR. En fait, je dirais peut-être problème de communication cette phase de jeu, puisqu'il y a Bjergsen qui était dans le coin qui a préféré les Verne Nashor et il a raison, hein, vu la prestation qu'il a proposée. Ouais, est-ce que c'est pas Grady qui a HP et TSM? Est-ce que t'as vraiment Dardoche, 50-50 Hunzer, et le perso Hunzer sur Adrian, puis Kizilian directement, le double bombing qui va passer, Adrian qui flash out, Altec en danger. Altec qui pourrait se faire smasher, Hunzer qui se replace parfaitement, Mike. Au follow-up, le double kill. Et la killing spree pour Zen, pour la Uni sur votre flanc gauche. Oh 1v2, Uni qui arrive à temporiser Dardoche. Zoné, Uni est toujours en vie. Uni qui prend son kill. Oh là 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 là, Uni il est tout seul. Il est tout seul dans l'équipe des EcoFox. Il arrive à récupérer un doublé, il va faire de son mieux pour arriver à trouver le wave clear sur la mid lane, pour arriver à temporiser et qu'il perde pas justement cette T1. Et on va retourner sur le Nashor. Oh, c'est greedy peut-être pour TSM. Non, je pense pas qu'on retourne sur le Nashor. On va juste récupérer la vision à mon avis. Ouais. Quoique, si, on va le forcer. Mais EcoFox n'a pas l'info. Et je crois que Uni a encore son Zonia. Hein. Uni a encore son Zonia. Ouais, quoique ça tombe vite, ça tombe très vite. Ça tombe très vite. Il y a pas de Nashor. Il y a pas de dash, il y a pas de flash, rien. Et donc, ah oui, double dragon des montagnes, pour moi. Ça va vite, hein. C'est bien joué, il y a le BRK sur le Hez. On va revoir cette phase. Et le double dragon de montagne aussi, vu complètement le taf. Mais quel travail de Hunzer! Ah, Hunzer a bien joué, effectivement. Et Bjergsen qui fait juste des dégâts monstrueux. Pendant cela, Uni. Uni tank le Nashor, il tank Hunzer. Il paye les gens. Oh, en plus, Hunzer essaie de surprendre Uni avec un flash-in. Je sais pas si vous avez vu, il a voulu connecter son grappin, son stun, couper avec un flash justement pour empêcher Uni de mettre sa poule. Sauf qu'on lui fait pas au joueur coréen. 2165 points de dégâts posés par Uni. C'est fou la différence quand même avec un dragon des montagnes et son dragon des montagnes. Ah c'est rapide. Hein. La différence de DPS. TSM pourtant. Un TSM en tout cas qui montre un beau visage aujourd'hui. Hein. Ouais. Tout le monde joue bien. Bon, il y a des choses à redire pour Mike sur la gestion de la jungle, mais globalement. Bjergsen fait un excellent travail, la phase de laning au niveau du bot en dehors de ce niveau 1 était très propre, c'est quand même 50 creeps d'avance hein, pour Sven. Mitty est irréprochable. Au niveau top lane, Hunzer peut-être un petit peu présomptueux et une phase de farming à revoir par rapport à l'adversaire qui lui met quand même un bon 96 dans la tête. Mais les teamfights sont excessivement propres. Et Yaouni, de l'autre côté Yaouni. Ouais c'est ça en fait. Qui fait de son mieux pour arriver à temporiser, 5-2-0 avec son Vladimir. Pas d'assist. C'est lui qui récupère les kills. C'est lui qui est tout seul dans tous les cas en 1v3 ou 1v2. Et il a un Rabadon maintenant. Il a un Rabadon, ouais. Phoenix. Et il fait mal. Bonne parce que, oh, Phoenix utilise sa QSS. Là, ça va pas faire ses affaires du tout. Ouais, Bjergsen, attention les bons dégâts. La fissure pour Mitty. On trouve le Crogivre et Sven sur cette tour. Ça va passer. Cinquième bâtiment pour TSM. 6 kagold d'avance avec ces deux dragons des montagnes. Et encore 1 minute 30 de main de Nashor. Côté EcoFox, on peut souffler un petit peu. On va lâcher le dragon des vents au détriment d'une T3 éventuellement. Et là, c'est voilà, faire le dos rond. On le disait, il n'y a pas de wave clear. Quelle est la porte de sortie, Nuno, en fait, pour EcoFox là? Bah, il faut que les EcoFox, comme d'habitude, hein, c'est vrai qu'ils arrivent parfois à surprendre avec un teamfight, le teamfight incroyable. Mais d'ailleurs, attends, c'était pas contre les TSM qu'ils avaient fait ça en première semaine, si je ne m'abuse, ou dans les premières semaines. Je crois qu'ils ont joué TSM assez tôt EcoFox, non? Je vais vérifier un instant.
cache pas que. Ouais, le souvenir, deuxième ouais voilà, c'est deuxième semaine, ils ont joué contre TSM et il s'est passé exactement ça. Ils ont perdu complètement l'early game et après ils ont comeback, ils ont trouvé le teamfight. Je sais pas comment ils l'ont trouvé, mais ils ont trouvé ce teamfight et après ils ont enchaîné sur la victoire de la game. Et c'est vrai que c'est ça qui est fort chez EcoFox, c'est qu'ils ont toujours cette petite fulgurance. Ce grain de folie. Ce grain de folie, effectivement, qui fait la différence et qui leur permet parfois de comeback. Là, je vous l'accorde, ça va être très compliqué, on est quand même à 8000 gold de retard, mais on sait jamais. On sait bien, Ouni, on l'a parlé, il a son Rabadon. Il y a de la MR hein, qui commence à arriver sacrément du côté des TSM. QSS, S-Rinker pour Ezreal, S-Rinker pour Mike Young. Visage spirituel maintenant pour Hunter, c'est donc du coup le visage spirituel pour monter justement, avoir de la réduction des CD. Et en plus d'avoir du sustain supplémentaire grâce à l'item couplé à l'Hydroboras, c'est juste exceptionnel. Et on va pouvoir enchaîner peut-être au niveau de cette tour top, plus de Nash Horde disponible, un dragon ancestral qui va pas faire son apparition tout de suite. On va juste aller challenge pour le moment cette T2. Voilà, attention, Phoenix s'expose là-dessus. Va reculer, Mitty, à la protection, oh, Bjergsen est là. On va s'arrêter là, cette T2 qui tient bon pour le moment. Un Mitty qui est réactif au niveau des fissures. Ah, il perd pas de temps. Hein. Ça qui est fou effectivement avec Mitty, c'est que dès qu'il voit une menace, il va pas hésiter à désengage. Ouais. Pour essayer de temporiser le plus possible. Parce que là c'est vrai qu'on s'est avancé un peu trop du côté des EcoFox et dès qu'il y a un dash de Dardog, dès qu'il y a quelque chose en fait qui se crée du côté des EcoFox, il amène son ultimate pour arriver à temporiser. Et là on le sait, on la call. Il n'y a pas d'ulti de Braum. Ah, Adrian qui n'arrive pas à trouver non plus son CC. Et c'est vrai que je suis un peu plus sceptique quand même parce que Zilean Kalista, c'est quand même pas la synergie que tu recherches le plus. Ah, j'aime bien pour l'early laning parce que ouais t'as cette phase de poke, ouais. Mais. Attends, ah, support Ardent avec Kalista. Pas ce qu'il y a de mieux en termes de synergie. Alors après, c'est une Kalista qui va faire une lame d'infini. Après, alors qu'on connaît les ravages justement d'un Zilean Caitlyn, d'un Zilean Tristana, d'un Zilean Kog'Maw. Alors Kog est nerfé sur 8.3. Il me semble. Ouais, Kog est disparu de la méta. 8.3 ? Non, 8.4 tu veux dire ? Je vais vérifier. Ça, c'est non, 8.3 on le voyait encore. J'ai un doute. Je doute ma bite, Nono. Peut-être. En tout cas, sache-le, 8.4. Je doute ma bite. Il va peut-être revenir. Il a été up. Il y a en tout cas Hunter, ouais. Alors, au niveau de cette duo lane. Quel est ton avis, Nono, sur la Kalista IE? Je te cache pas que je suis assez curieux. Bah, le but c'est d'arriver à faire prendre ce rôle d'hyper carry hein, avec l'IE. Et l'énerver sur 8.3. C'était quoi hein, les PV max, ouais, ils perdent 2% des PV max au rang 5 sur le barrage volcanique. Et maintenant ils ont mis. Ouais. C'est passé de 7 à 5. Ouais. Et sur le 8.4, c'est de 7 à 6, du coup. Enfin, de 5 à 6, du coup. Ok, ah, il est ok. Il a été légèrement re-up. Mais donc, du coup, Mike Young, là, qui va se prêter un petit peu au jeu, de se balader dans la jungle adverse. Il est level 16 maintenant, il a récupéré ses ailes. Pas de Black Heaver en poche pour le moment pour arriver à backup et apporter un petit peu de pénétration d'armure à son coéquipier Sven, ou à Hunter même. J'avoue que j'aimais bien ce build-là qu'on voyait la saison précédente, mais. C'est pas vraiment ce qui est favorisé aujourd'hui par les Kha'Zix. On préfère vraiment faire beaucoup de létalité. Attention Ouni, attention la tour là-dessus. Ça aimo plague, non. Si, ça aimo plague. Après voilà, ça reste sur Bjergsen. Très léger en termes de dégâts. On va tempo les TSM qui jouent l'usure en fait. On gratte cette T2. Ça coûte pas grand chose. On force un CD. Bon, l'adversaire qui va revenir pour le prochain pop du Nashor. On attend patiemment. On garde le contrôle de l'espace. Et surtout, on garde un œil sur Dardoche. Avec un Sven niveau 17, hein, tout de même. Mortal Reminder en poche. Il y a beaucoup d'hémorragie hein, chez TSM. On pourra le noter, c'est un Galio qui a fait un Morellon Omicron pour Bjergsen. Le Mortal Reminder dont je vous parlais. Face à une compétition d'équipe qui. Kalista, Fiora, Vladimir. Si ça survit, si tu fais pas One Burst chez EcoFox, et normalement ça devrait pas arriver puisqu'il y a un Zilean, il y a quand même une certaine capacité à tenir dans le temps. Maintenant, le problème, c'est que y a beaucoup de c'est que des personnages de DPS mid-range. Ça, c'est très sensible à un Galio. Il y a un Kha'Zix à gérer en même temps. Il y a une Camille qui peut arriver en backline. Ça fait quand même pas mal de données à négocier avec 10 kagold de retard pour EcoFox. Il faudrait vraiment un miracle pour emporter le prochain fight. Trop marrant. Hunter qui utilise la bombe de Zilean pour aller former après les camps jungle, pour l'aider un petit peu. Et Hunter, du coup, qui a réussi à mettre la pression sur la bot lane. Il a toujours du retard en termes de farm, mais maintenant ça n'a plus vraiment d'importance. Il a clairement les armes, mais attention à l'engage. Hein. Sur la mid lane, il y a un combo Camille Galio. Il y a Hunter. Un combo Camille Galio. Voilà, attention. Ouais, Ouni est complètement split. Ouni, le shutdown, on a un V3. Il faut backup Hunter, il arrive à trouver de l'engage. Plus de Sven, est-ce qu'on peut trouver un lock? Est-ce qu'on peut trouver un slow? Non, pas du tout.
Et Ouni systématiquement en 1v3. Il est toujours en 1v3. Il arrive à systématiquement s'en sortir ou arriver à trouver un kill. C'est assez incroyable. Ou les deux. Parfois l'un qui va repartir en Corée sur les semaines prochaines. Voilà, attention de TP, Mike. Mike au nord de ce pit du Nashor. Under qui va rentrer. Ah, Adrien qui prend de lourds dégâts à l'arrivée des Bergsen. Adrien qui saute au ulti. Ouni est encore en vie. Le smite pour Dardoche. Double kill pour Bergsen. Attention, Mike qui va rentrer en mêlée. Derrière 3 joueurs, de tomber 4 joueurs au tapis, triplé pour le joueur danois et Ace probablement Adrien qui va tomber sur la phase de jeu, double kill. Attends, pour maintenant 50 secondes là au compteur, on peut finir la game? Non, je pense pas, il n'y a pas de Sven. Il y a Camille quand même qui va rejoindre ses coéquipiers. Non, on ira juste chercher l'inhibiteur, j'imagine. Je pense pas qu'on puisse finir la game. Si, 40 secondes, 30 secondes, deux dragons des montagnes. Ah, ça se tente peut-être, ça se tente. Peut tenter. Et on va tenter. On va le voir, on va voir les dégâts qu'ils font sur les tours. Ah, ça va vite, ça va très vite avec le soutien des creeps. Avec une Camille maintenant qui a ce stuff là, avec le géant en plus en poche. Et quel fight Camille Gallio, mais qu'est-ce que c'est fort. Et il a tenté, pourtant Ouni s'est donné. Ouni 6-3-0, le top laner des Echo Fox. Ouais. 6 kills sur 7, mais rien n'y fait. Et on voit Phoenix sur la caméra qui lève les mains. My bad guys, my bad. Mais effectivement, très bien joué pour TSM. Enfin, une game très convaincante et surtout, voilà, Hunter qui bombe le torse. C'est un travail d'équipe. Tout le monde a fait son boulot cette fois-ci. C'est la première fois, je pense, depuis la reprise de ce Spring Split. On peut voir un Sven derrière, voilà, qui valide les troupes. Excellent travail, Ouni, qui peut laisser à la main et regarder de haut leurs adversaires, hein, clairement. Par contre, pour le reste de cette équipe, Echo Fox, la duo lane, c'est pas outplay. Phoenix, absent sur sa Fiora. Enfin, trop présent en early game, puis absent. Et derrière, Dardoche. C'est un tank, si tes carries ne fonctionnent pas, tu peux apporter tous les contrôles du monde que tu veux, ça ne suffira pas. Et Mitty, un tout sourire. Peut-être le MVP de cette game, Mitty. Mitty, ouais. Mitty, tu hésites avec Bjergsen parce qu'il y a quand même une sacrée apprentissage. Il a bien joué, ouais, Bjergsen. Il a bien joué. Après, ça a été très bien setup aussi par Anzer. Finalement, la synergie entre Anzer et Bjergsen était juste excellente dans cette game, honnêtement. Il y a eu vraiment peu d'erreurs en fait des deux côtés. L'engage était bien timé à chaque fois pour Camille. Le follow-up était bon aussi du côté de Bjergsen. Et après, on connaît la réussite qu'il a eue. Je ne sais pas combien de kills a récupéré Bjergsen à la fin de la game. Il devait avoir au moins 6-7 kills. Ouais, enfin, 6, ça, moins, paraît, ouais. Ça paraît beaucoup. Ça paraît beaucoup, mais... Non, honnêtement, il sort au moins 2 doublés dans la game. Sans compter le nombre de petits kills qu'il a récupéré à droite et à gauche. Oh, ouais, ce serait pas étonnant. Il y a eu quand même signé dans lequel il y a eu pas mal de frags. Mike, au niveau des portes des montagnes, il était bon. Ouais. Au niveau des engages, il était bon. Au niveau des timings sur les sorties de Zonia, il était juste excellent. Le move là qu'il a fait à côté du Nashor, le flash-in, parce qu'il savait qu'il y avait le soutien de Gallio et il savait que s'il arrivait à plaquer un slow sur Kalista, il y avait un follow-up directement de Gallio. Si le slow ne passe pas, Kalista n'est pas slow par Gallio. Et puis c'est un flash au corps à corps pour trouver le slow. Et en plus, derrière, c'est un angle qui lui permet de trouver la fissure. Alors, est-ce que c'était calculé ou pas? On est pas dans le secret des yeux, mais bien sûr. Il touche la Kalista, il touche derrière les deux. Enfin, Amity a toujours été quand même assez impressionné au niveau des engages. Il arrive toujours à trouver un placement qui est quand même incroyable. On se rappelle évidemment très très bien, je pense que c'est un cas d'école, Alistar face au Splice, face à 5Qux. À la Orianna de 5Qux qui ne bouge pas du fight. En fait, il ne peut pas intervenir dans le fight. Oui, au niveau de ce fight, Rivertop avec la plante. Il y a une plante, effectivement. Oui, c'est vrai. Orianna peut juste rien faire et toute son équipe se fait découper sans que. Moi, j'ai toujours ma Shockwave, mais je peux pas l'utiliser. Je suis juste trop bien zoné par Mitty. Et c'est vrai que c'est ça qui est fort avec le joueur, c'est qu'il est toujours bien inspiré. Et là, en l'occurrence, malgré l'early game compliqué, je suis content qu'il ait retrouvé de sa superbe. Et d'ailleurs, interview avec le joueur. Thanks, guys. I'm here with Mithy. Congratulations on that win. You guys went from an 0-2 week last week to taking down the toughest team in the league. What was the biggest factor in today's victory? I guess we just played better. It's hard to say. Best of ones don't really get to let you show how good you are. So I just feel like we were more prepared coming into this week, and I guess it showed. What was the toughest part for you in that match? Because there were parts where it looked like Ouni was taking some of you guys out. I guess the toughest part was I was just not playing very good against Vladimir, so he got strong. That's pretty much it. That's the only thing they could really do. I think they didn't really have, like, they had winning lanes in theory, but they didn't win hard enough, and their bot lane lost, so it was just pretty much doomed for them. And we've heard from some of your teammates about addressing some of the communication issues that the team has had from the beginning of the split. What's your take on the issues, and how do you think they're being addressed? Well, after last week, we had a meeting where we tried to
assign each other roles. Basically, during feedback, we know everything we should do better because we have a lot of veterans. Everyone has a lot of good ideas. So we understand what we have to do and what we should have done, but we don't do it in game. So this week, we try to assign roles to everyone in the team so that we get more responsibility. So when something isn't done, then someone is blamed for it. And that way we can like address the issues and yeah, just get better, I guess. And when you said assigning roles, what was your role specifically? It's just for different parts of the game and different things. It's hard to pinpoint just one thing. So I guess, yeah. Well, team morale must be pretty high after this win. But tell me a little bit about the team's mentality and morale from the last few weeks. I haven't really talked to my teammates about how they feel. Personally, I've been feeling pretty down and super stressed, especially after last week. I feel like I just let everything be, and I didn't really know how to take charge because everyone in the team takes charge. As in, our coaching staff does so much, Björk does so much too, and there's just everyone doing a lot. So I just thought, okay, well, I'll just let people do their thing, and then I just felt like I could do more, and I just felt stressed out because I couldn't really impact the games or change things to better. But after the meeting, I guess, after assigning roles and just giving me a little bit more responsibilities and stuff, things have been getting better. So yeah, I feel more confident now in my play because I feel like I can impact every game a lot more. So I guess that's what's changed, and winning today means that things are going the right way. I don't really care if we're stronger than Echo Fox or if we're weaker than Echo Fox. It doesn't really matter because at the end, it's all about playoffs. And I mean, if things keep going the right way, it's going to be really good for TSM. I mean, the org is what it is, right? Like, they're known for being really good, and we're going to make sure that that stays that way. I think I've been lucky enough to have really good teammates during all my career. So I've always done well, and I think a little bit of it is part of me, like of me doing well too. So I think if I just keep riding the boat, eventually we'll probably just win the split. So I'm just going to lay back and keep working hard, and it's all going to go well. Well, I'm glad that you're feeling better after this win. Mithy, thank you so much for the interview. And for more on this game, let's hear from the State Farm Analyst Desk. Ouais, longue interview hein, de Mithy qui s'exprimait sur les semaines précédentes, sur l'état de super stress en fait, hein, et cette déroute, en fait, cette grosse déception chez TSM, avec tout le monde en fait, qui était sur le pied de guerre en permanence. Bjergsen qui faisait bah, du coup un très très gros travail de background, le coaching staff aussi qui était présent, ouais. Et Mithy qui, voilà, si j'ai bien tout compris, se positionnait peut-être un petit peu plus en bon, je suis pas forcément dans les meilleures conditions, tout le monde fait ses trucs du mieux qu'ils peuvent en fait, moi je vais essayer de laisser les choses se reprendre un petit peu. Il y a eu ce fameux meeting dont il parlait où voilà, il y a pu avoir quelques émissions, puis remettre les choses à leur place, et c'est vrai que bah, on voit le résultat, ça fonctionne bien TSM aujourd'hui. Clairement, et en tout cas la game là qui arrive, c'est Optic Gaming contre Golden Guardians. Les Optic d'ailleurs qui se réveillent, qui nous font de belles prestations. Ah, oui. Ils ont gagné contre les CLG qui était peut-être aussi le grand exploit il y a deux semaines si je ne m'abuse. Et ils ont perdu contre FlyQuest après. Et ils ont perdu contre FlyQuest, mais ça on s'en fout. En tout cas, ils arrivent contre les Golden Guardians, ils ont des chances de remporter, c'est tout de suite après une courte page de publicité. Nightline